Je m'appelle Rémi Bigot et je suis webmarketeur depuis 2003. J'aide et je conseille les entreprises dans leur stratégie marketing sur Internet. J'ai suivi moi-même la formation de Sébastien, le marketeur français, et les deux choses les plus utiles que j'ai trouvées dans cette formation sont celles-ci. La première, ce sont les différents supports proposés dans la formation. En effet, pour ceux qui préfèrent les guides PDF, ils sont présents. Vous avez également la vidéo, les conférences en direct sur Internet. Bref, vous avez tout un panel de supports multimédia qui vous permettent d'apprendre à votre rythme. La deuxième chose primordiale, ce sont les sellettes. Les sellettes, ce sont en fait des conférences en direct avec Sébastien qui permettent aux différents entrepreneurs de la formation de présenter leur activité, de présenter leur avancée, et de pouvoir très rapidement mettre en place les conseils donnés par Sébastien. La première fois que j'ai vu une vidéo de Sébastien, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi est-il si sûr de lui? J'avais l'impression qu'il sortait un petit peu de nulle part. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il avait eu de vrais résultats avec des clients existants, et aussi et surtout, qu'il faisait ce qu'il disait dans ses vidéos. Je me suis rendu compte donc qu'il appliquait sa stratégie à lui-même, ce qui est quand même assez important. Au final, je suis devenu client de sa formation Séduire le client et j'en suis très satisfait. Je m'appelle Cédric Esserméan, je suis du côté de Grenoble et je suis consultant pour les clubs de sport amateurs. Je les aide à recruter des bénévoles et à augmenter leur budget. Ce que j'ai trouvé le plus utile dans la formation Séduire le client, c'est le concept de l'offre irrésistible, un prospect ciblé et sélectionné, et l'apport d'une offre de la plus grande qualité, de la plus grande valeur possible pour justifier un prix élevé. Mais en tout cas, il n'est pas question de vendre un produit inutile à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Et ça, en termes de logique, ça me correspond tout à fait. Après, tout le reste, si, ça a été utile, je me suis servi de tout, hein, que ce soit l'optimisation de mon site presse, de mon site web, le communiqué de presse, un outil comme Optimize Press qui, bien que payant, est vraiment hyper bien, la définition de l'avatar, ça c'était vraiment bien. Ce que j'ai déjà mis en place, tout en fait, je suis même allé jusqu'à engager l'agence de presse pour diffuser mon communiqué, donc ça m'a coûté quelques centaines d'euros, mais en 4 jours, j'ai 3500 lectures sur mon communiqué et j'ai déjà plusieurs contacts avec des radios et de la presse écrite pour des interviews et des sujets qui vont arriver dans les jours qui viennent. J'ai bon espoir que les médias un peu plus conséquents s'intéressent à mon activité dans les semaines qui viennent. Après, sur ce business principal, il y a beaucoup d'inertie puisque c'est un marché qui n'existe pas vraiment, c'est un milieu associatif qui n'a pas l'habitude ni de dépenser de l'argent, ni de travailler avec des consultants, et en tout cas de travailler avec des professionnels. Donc, il va y avoir un certain délai avant d'avoir des résultats vraiment concrets. Maintenant, j'ai créé l'année dernière un autre business sur un stage de sport privé, un stage de football américain. Et cette année, pour la deuxième édition, on a fait 23 000 euros de chiffre d'affaires signé en 4 semaines. L'année dernière, on avait mis 4 mois. Donc c'est vraiment intéressant, d'autant que c'est un stage qu'on a signé voilà, sur fin décembre et janvier pour un stage qui a lieu au mois de juillet prochain. Donc c'est vraiment intéressant. Ce qui m'a fait hésiter au départ, c'était bien évidemment le prix, une formation à 3000 euros, une dépense qui n'était pas prévue, et surtout quelque chose comme la semaine d'avant, j'avais refusé, enfin je m'étais rétracté sur le fait de m'engager avec Olivier Roland sur sa formation Agir et réussir, puisque je trouvais ça un petit peu cher et j'étais pas convaincu des résultats que j'allais obtenir. Par contre, ce qui m'a convaincu, c'est que la qualité promise était vraiment bien présentée et ça m'a vraiment donné envie. La question, c'était plus, est-ce que je vais avoir le cran de m'offrir un tel investissement? Voilà. Après, la formation était à seulement 2000 euros en lancement. Je pouvais payer en 3 fois sans frais et surtout, les résultats étaient garantis. Et c'est ça qui a été vraiment déterminant. J'étais certain de vouloir obtenir les résultats, des résultats. Et donc, avec cette garantie, j'étais certain d'y arriver ou au pire que ça me coûte rien. Et même au pire, j'aurais appris quelque chose et gardé en plus des éléments. C'est cette garantie inversée
qui a achevé de me convaincre, et surtout ça a été l'argument le soir même pendant le repas pour dire à ma femme, ben je viens de craquer 2000 euros, mais c'est pas une mauvaise chose, et pour telle raison, c'est cette garantie qui a fait que la pilule est passée sur une dépense aussi coûteuse à titre personnel qui était vraiment pas prévue.